Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viandes et de vins, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute, puisque malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux ne s'en sont point encore rassasiés. Ah, Jésus, souviens-toi du jardin des olives. Dans ta simplicité, tu priais à genoux. Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous. Que d'ignobles bourreaux plantés dans tes chairs vives. Lorsque tu vis cracher sur ta divinité la crapule du corps de garde et des cuisines, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité, quand de ton corps brisé la pesanteur horrible allongeait tes deux bras distendus que ton sang et ta sueur coulaient de ton front pâlissant, quand tu fus devant tous posé comme une cible revêtue de ces jours si brillants et si beaux, où tu vins pour remplir l'éternelle promesse, où tu foulais monter sur une douce ânesse des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux, où le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces vils marchands à tour de bras, où tu fus maître enfin, le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance? Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puis-je user du glaive et périr par le glaive? Saint-Pierre a renié Jésus, il a bien fait.